Face à la prolifération des lotissements anarchiques, Vincent Brou, maire de Thiébissou, localité située dans la région du Bélier au centre de la Côte d'Ivoire, a décidé de faire preuve de fermeté. Il a pris des mesures pour stopper ce phénomène. Il y avait des opérations de morcellement tout azimut dans la ville de Thiébissou, mais qui ne respectaient pas le process. Donc il nous appartenait de quadriller cela, et ça nous a amené à prendre un arrêté interdisant des morcellements anarchiques dans la ville de Thiébissou. En d'autres termes, à ce niveau-là, on veut faire en sorte que tout ce qui est morcellement puisse respecter un minimum de procédures. On n'interdit pas par cet arrêté-là tout morcellement, non. C'est des morcellements qui ne respectent pas le process. Faire de sa ville un modèle, tel est l'objectif de Vincent Brou, selon Ernest Mathieu Guassiro, préfet du département de Thiébissou. Si le premier magistrat de la commune veut atteindre son but, il doit orienter ses actions de plus en plus dans le sens de la cohésion sociale. La cohésion. Travailler dans le sens de la cohésion sociale, dans le sens de la cohésion nationale, afin que le département de Thiébissou puisse se développer dans l'harmonie. Notons que la mairie envisage la création de plusieurs réserves botaniques composées d'essences rares afin de permettre aux acteurs de la médecine traditionnelle de faire des recherches.